T'es vraiment p***, je sais ce que tu fous, mais... J'ai pas pu m'empêcher de rire. Good morning. Ça me fait trop mal, Jamy. C'est que le début. Ah, arrête de tirer, ça fait trop mal. Il n'y a pas d'espace. Oh, c'est... En fait, c'est court. Mais genre là, comment on se lève, par exemple? Bah, en même temps... Non, mais tu me fais pas en caleçon, t'as complètement craqué, là. Ah, mais y'a toi aussi, qu'est-ce que tu fous à poil? Ah, mais j'avoue, t'as qu'une main pour mettre ton pantalon. Ça s'annonce très long. Jackie, merde, j'ai dans un temps Julie. Bah, tu veux pas qu'on se douche? On peut pas se doucher à deux. Donc je m'habille comme si je m'habillais dans la vie réelle. Ton bras, allô, aide-moi. Je remonte ton froc. Bah ouais. Je peux même pas mettre de pull et de t-shirt. Non mais attends, comment on va faire? Bah... Ah bah tu peux pas. Comment on va faire aujourd'hui? Bah on sait pas, pour l'instant t'enlèves. Moi je veux juste mon matcha en fait, bouge-toi. C'est l'heure du petit déj. Vas-y, comment tu tires ça? Oh là 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 là, je vais pas supporter. Non mais arrête, tu veux pas, tu te promets, je vais mettre des gros coups dans ta main là. Des gros coups dans ta main. Tu tires trop. Recette du matcha latte. Lait d'amande, eau chauffée, matcha. On y va? Ça m'est horrible. On va faire chauffer de l'eau. Mais toi fais. Toi ouais. Fais, tu m'aides. Attends. Ah, je vais remettre la caméra. Bah attends, il faut que je te filme. Deux tasses. Il y a le lait qui est là-bas. Ah, ça me fait vraiment mal. Non mais vraiment, ça me fait plus rire, ça me fait trop mal. Faut arrêter 5 minutes quoi. Mais j'ai pas envie d'être dans la vidéo comme ça. J'ai... Enfin, fallait pas accepter le sujet de la vidéo. Je pensais que t'allais filmer, j'aurais mon bras juste. Arrête, t'es comme ici. Oh, fallait pas trop faire chauffer. T'avais une tâche, t'avais une seule tâche. C'est pas drôle. Pourquoi je t'en fais un d'ailleurs? Bah tu m'en fais un, t'es où? Non alors la ta mère. Non tu me fais. Qu'est-ce qui a m'empêché? Fais-moi un match. Ah bah moi. Ça va être une journée horrible. T'es en train de me ruiner mes énergies. Non, fais un effort, lève au moins ta main. Arrête, c'est même pas drôle. Non mais en plus, non. Non, il y a. Mais on peut pas, c'est. Oh, oh. Qui t'a demandé ton avis? Tiens, je vais te donner le pourri. Mais moi plus gros. Ah non, non, d'ailleurs. Si, si, si. Non. Pourquoi tu me donnes le plus petit? Parce que j'ai besoin d'énergie pour te casser les. Cache quoi? Un mec. Ah ouais? Mais toi, ça va plus, hein. Barre-toi. Goûte-moi ce matcha. Il y a des points positifs à cette histoire. Mousse, c'est pas toi qui l'a fait, mais la mousse est bonne. Je suis toujours obligée de me descendre. Ça vaut la nutrition. Tu fais quoi le matin, toi, dans ta vie, normalement? Je bois un thé. Après, faut bosser, mais on peut pas écrire de mail. Bah, va falloir. Ah, une main? Non, genre. Qu'est-ce que tu racontes? On colle les ordis? Mais non. Je suis sûre que ça marche. Aller te balader? Tu vas te balader le matin, genre, t'as une vie tranquille. Non, je sais pas, aller sortir chercher un truc à manger. Ok. Moi, je vais pas dans un endroit qu'on connaît, me noter comme ça. Ouais, parce que c'est très bizarre. Je bois mon matcha et il faut que je me maquille. Maquillage, coiffure. Ongle, manucure. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Pourquoi? Bah parce que moi je veux me maquiller. Et moi je dois faire quoi? Rien, je dois attendre. T'en mets une dose toi? Jérémy. Pourquoi tu mets ça sur ta peau direct? Tu m'as dit absolument, quand tu m'as dit d'en mettre, qu'il fallait genre frotter. Mais c'est pas la même. Depuis quand tu me donnes des conseils make-up là? Oh, exactement la même. Pour qui je te prends? Oula. Est-ce qu'on partirait pas sur un smokey eye? Du coup pas de douche. Ah, c'est pour ça que tu fouettes? Journée sans douche. Ouais. Jérémy, comment tu veux qu'on se douche là? Bah deux dans la même douche. Bah ouais, mais on peut pas filmer, ça sert à rien, on t'en pas se doucher. Ok. Arrête, fais pas ça. Arrête. Ah. Non, mais ta mère, t'es vraiment une sale. Non, bah ça va être toute blanche là. C'est pour t'occuper pendant que je me maquille, pour que je puisse prendre un peu plus de temps. Là je mets un blush, si j'en mets une goutte de trop, c'est terminé. Et on doit recommencer hein, donc tu dois attendre deux fois plus de temps. Ok. Voilà, regarde, t'as vu tout ce qu'il y a? Bah c'est parfait là. Je ressemble à rien. Un peu de contouring. Tiens, je t'en. Non, tu veux pas me contourer. Jérémy, je sais ce que je fais quand même. Non, tu sais pas ce que tu fais. Ça se fait sur les hommes. Y'a rien. Tu crois qu'il y a un truc, regarde. Mais t'es une dégénérée. Vas-y. Je vois pas de différence. Jérémy, regarde-toi. Non mais regarde comment. Là, t'es beaucoup plus fin de ce côté-là. Ok, vas-y. Regarde, t'es bien. Ah oui, t'es bien. On blend. Oh là là, t'as perdu 10 kilos. Vas-y. Tu mets de la poudre. Ça, tu kiffes un peu. Ah, ça, il aime la poudre, hein. Oh, sublime. T'es sublime. Vas-y. Elle est trop mignonne. Oh, donne tes sourcils. Ah non, c'est mort, c'est pourquoi mort. Pourquoi? C'est pas coloré. C'est pour les brosses. Je sais, bah oui, non, mais je vois exactement ce que ça fait. Arrête un peu. Il te manque un petit truc là. Bon. Du baume à lèvres. Ah non, mais ça, c'est mort. Bah oui, bien sûr. Ah non mais ça c'est mort, bah oui bien sûr. Ah oh, bah oui vas-y. Vas-y, ça dégage. Attends, ça dégage. Juste tu me laisses faire un truc. Tu fermes les yeux. Non tu vas faire une dinguerie. Non, non pas un truc qui est bizarre. C'est ce que c'est du rouge à lèvres espèce de. Mais non. Non c'est du rouge à lèvres. Ferme les yeux. C'est du rouge à lèvres le sang. Non.
C'est un baume pour homme. J'en ai marre, c'est un plan musculé. C'est vraiment ça. Mais t'as vu ce que tu fais? Non, non, barre-toi. Pas ça sur ma serviette blanche là, t'abuses, Jérémy. Non, t'abuses, Non, franchement, c'est abusé là. J'en ai marre là. T'es en train de me taper sur le système. Franchement, ça me fait trop. Ah! Ah! Franchement, c'est pas drôle ça. Ça me fait trop mal. Tu me fais mal. It's time to eat. On fait manger toi et moi, on amoureux. Supporte-toi. Arrête d'être dit non, je supporte plus là. Là, je suis au bord de burn-out, ça fait 2 heures. Vas-y, bouge-toi. Ouais. Comme ça. Non, par contre, là, je vais te débrouiller. Non, ça me fait pas rire, tu m'as fait trop mal. Tu fais quoi là? J'essaie de l'enlever. Bah, arrête de l'enlever. Ah! Arrête. Non, je peux pas me protéger là, arrête. J'ai mon quart d'heure de folie comme les enfants. Et genre là, il suffit que je prononce un mot. J'ai mis l'enfant rire pendant 4 heures. Genre, si il apprend que c'est mon quart d'heure de folie, il arrive bien à s'arrêter de rire. Voilà. Aïe, je te promets, vas-y, j'enlève les notes, c'est en train de me saouler, vas-y, non, désolé. Non, on peut pas. Je peux pas tout faire. Non, on doit manger. Tu peux pas supporter ça, mais... Ok, mais on peut manger tranquille. Oh, le plan full, c'est une chaîne YouTube de placard. Ouais. Oh, toi, tu fais cramer la sauce. Ok. Oh. Jérémy, arrête, tu sais pas cuisiner sans me poser une seule question. Mais attends, t'en mets une tonne. Mais non, ah, ça pue la vieille sauce froide. Stocky, la vieille sauce froide. Je rêve ou pendant que je fais à manger, il est sur des sites de Pokémon. Non mais franchement, non, là c'est abusé. Je vais montrer à la caméra ce que tu fais. Laisse-moi. Distanciation sociale, dégage. T'as dit quoi? Distanciation sociale. Ah, parfait, ça me va. Fais ça bien chauffer, ça me va. Je te promets, si le vomi avait une couleur. Tu peux pas critiquer mes pâtes, elles sont hyper bonnes. T'as bien fait cramer les pâtes, hein. Je croyais que tu voulais que je fasse grave chauffer. On va remixer là ce que tu viens de dire. Ouais, il y a mais deux secondes. Chauffer, mais pas trop. Fais ça bien chauffer, ça me va. Ça veut dire qu'on est collé pour manger, on va s'entendre manger. Ouais, vas-y, mets bien fort. Hein. Ça, c'est dur, ça. Non, on a fini de manger. Ah ouais. Viens, on se bouge. Faut y aller à la poste. Ok, mais on y va ensemble avec les menottes. Ok, mais faut qu'on les enlève pour s'habiller. Mais c'est très de la triche, on. Non, au moins prends le manteau. Juste le manteau. Pour que ce soit un défi et que ce soit plus drôle, moins de la triche que juste d'enlever les menottes, on se donne genre 1 minute pour s'habiller de la tête aux pieds et après obligé de remettre les menottes. Moi, je suis déjà oublié, mais vas-y, ok, go. Choisis-moi une tenue. Non, on n'a pas le temps, ça va prendre 45 minutes. Je peux plus te supporter, sérieux. Si je décide de pas y aller, tu peux pas y aller parce qu'on est menotté, donc fais pas trop mal. Bah, on y va et je te Parce que là, je suis sympathique. On y va dans la rue et les gens ils vont trouver ça bizarre hein, que je fais traîner par le poignet comme ça. Mets un pull, un pantalon. Ça, je peux le mettre sans avec les menottes. Attends, on n'a pas les clés. Elles sont où? Là-bas. Ah, tu m'as arraché. Tu m'as arraché le poignet. Non, Jérémy, tu m'as arraché le poignet. Ah, cette débile va. Je l'ai croqué le pouce. 1 minute. Vas-y. Donne. Oh, p***. Libre. Ah, faut que je mette mon manteau direct. Il reste 9 secondes. Il faut les remettre. Vite. On peut pas aller à la poste avec ça. Jérémy, c'est toi qui veux aller à la poste, c'est pas moi. J'ai besoin d'aller à la poste, je veux pas tourner une vidéo. Jérémy, on dirait que c'est un besoin vital, c'est des cartes Pokémon, t'abuses. Ah, mais dis-moi avant de bouger. Mais. Bah, ouvre les yeux, frère. Allez, direction la poste et se taper la honte. Franchement, on va finir sur Twitter à force de faire des trucs qui n'ont aucun sens comme ça. Les gars, c'est gravissime ce qui se passe. Je vous explique. On descend parce que monsieur veut absolument aller à la poste. Je me dis, on marche un peu parce que bon, je vais pas filmer devant chez moi, blablabla. Donc on marche et le temps de marcher, on regarde les horaires de la poste. En fait, c'est fermé. On se retrouve à marcher comme des. Pour rien dans la rue. C'est les gens se disent soit c'est un rapport avec la police, soit c'est un rapport sexuel. Les deux options ne vont pas. Dans les deux cas, devant des écoles, c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, il y a un beautiful sunset. Le ciel est rose. Pour célébrer notre amour. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je serais le pire personnage possible. Ma pire, je crois que c'est vraiment là, c'est mes vieux démons. Et il y a que, en vrai de vrai, ce qui me tue, c'est qu'il y a que dans les vidéos avec toi que je suis comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire au final. On se balade. Oh, mais arrête, il y a des gens partout. Bon, on rentre là. On rentre. On va faire une séance de sport. Tu vas à 3. Idée de génie. On rentre à la maison. On est arrivé. Je vous propose qu'on fasse comme tout à l'heure. On se laisse 1 minute pour changer. Mon téléphone, tu l'as toi? Non. Le tien? Ok, je compte. 1, 2, 6, 7. 40 41 42 45, je suis prête. 46. Il est où ton slip noir? T'es en train de tricher là? Ouais bah ouais, mais j'ai pas tué. Bon, je me remenote parce que moi je suis pas une tricheuse contrairement à toi. Bon allez, viens là, tu triches. Allez. Vraiment, tu veux qu'on se ridiculise à ce point là? C'est toi qui as dit que t'allais te ridiculiser. Tu fais le choix de te ridiculiser, tu peux aussi faire du sport. Mais tu squattes que tu... Non mais attends, tu vas pas te mettre à côté du canapé genre... Non mais ici là. Alors attends, je t'explique un peu. On va venir ouvrir nos chakras. Inspirer. C'est quoi les bails? Mais c'est pour tes abdos. Mais fais quoi? Mais viens, comme ça. Et ensuite tu remontes. Sans prendre de l'élan. Tu remontes tout seul comme un grand. Non mais...
Tu te dis, il se jette, t'es un arnaqueur. C'est beaucoup plus facile maintenant, ça. Tu vois, tu te moquais de moi. Et on s'étire. Oh, sa mère. Et tire-toi bien là. Mais tu fais pas d'effort. Mais c'est trop. C'est lui que j'étire, on étire le bras droit. Ah bon, mais moi j'étire celui-là. Bah oui, on fait tous les deux le bras droit. Ah, mais ça n'a pas de sens. Et ensuite tous les deux le bras gauche. Ah. Mais t'es. Y'a un problème là. Moi j'en ai marre de filer à part les gentiments. Qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce qui t'ambiance dans le sport? Je vais mettre sexy dance workout. Je sais ce qu'on va faire. Grow your booty. Ça m'a saoulé, franchement c'est nul, ton idée elle est nulle. Séance de sport terminée, t'as été courageux. Non, là je commence à plus supporter ce manque de respect. C'était marrant? Non. On a tous apprécié ce moment. Ok, on peut aller travailler? Oui, on va travailler. En vrai je suis sûre qu'on peut réussir à travailler comme ça. Ouais, ça passe. Franchement ça passe hein. Je vais lui mettre le mail, je vais lui dire toi c'est dessous le mail. C'est l'heure de faire quoi? On range? Oui? Oui. Ça change de d'habitude? Non, c'est moi qui range plus. Jamais. Dis la vérité. C'est toujours moi qui range tout. Non, tu peux pas dire ça. Assume. Il y a deux, trois trucs que je range pas, mais toi, voilà. Je range pas tout. Ah, tu les mets à l'envers. Tu peux te mettre ça où? Toi, ça se voit que t'as jamais rempli la vaisselle dans cette baraque. Ah, mais comment tu mets ça? Mais toi, tu sais. Oh là là. Non, mais c'est plein en fait. C'est plein. Non, mais attends, ça c'est plein. Non, mais regardez. Non, mais face qu'il faut qu'on parle. Est-ce que là, y a pas la place de mettre une tasse là, par hasard? Je crois bien que si, regardez. Vas-y, c'est bon. Demain, je finirai le reste demain. Ça n'arrivera pas. C'est moi qui vais le faire. Donc, je préfère anticiper. T'as acheté des pastilles pour la vaisselle? Bah non, tu m'as pas demandé d'acheter. Il y en a plus. T'es sérieuse? Je te jure. J'ai pas ça. Ouais. Tablette tout en un. Ouais, c'est ma mère qui a acheté ça. Qui a acheté ça? C'est dingue cette maison. Il y a tout le monde qui vit ici sauf moi. Je ne sais même pas ce que j'ai dans le placard. On ferme ça, on met de la vaisselle en route. Non, mais c'est plein en fait. C'est plein. Non, mais attends, ça c'est plein. Est-ce que là il n'y a pas la place de mettre une tasse là, par hasard? Avant d'aller me coucher, il faut que j'aille faire pipi les gars. Ça va être le premier pipi. Ah non mais attends, il faut qu'on donne le contexte. On est super mal à l'aise pour tout ce qui est personnel. C'est-à-dire que faire pipi, ça n'arrive pas. Littéralement, je ne peux pas faire pipi si je sais que Jérémy m'entend faire pipi. Tu veux que je mette mon casque? Ouais. Est-ce que t'es en mode tu m'entends pas là? Ouais là c'est bon, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Welcome. Mais comme... Non mais je peux pas. Ok, bah. je vais essayer mais franchement je garantis rien. Ah c'est mieux. J'y arrive pas. J'ai pas réussi. J'y arrive pas. Dans tous les cas, c'est impossible pour moi de faire ce genre de choses, ça marche pas. Bon, on peut aller se doucher parce que là tu pues. Ce que je te propose. Voilà. Ah oh. Vas-y, remets ça, je te promets, je vais te serrer la main. C'est bon, j'ai resserré, j'ai mis 4 là. Est-ce qu'on ne louperait pas notre douche juste pour. Ah non, 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 on se loupe pas notre douche. Ah non, on se douche. Chacun s'abonne l'autre. On se retrouve après notre douche, skincare routine et dodo. Et après, on sera enfin libre de nos mouvements. Ça y est, on est au lit, on s'est juste enlevé les menottes pour se changer. Qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? C'était horrible. Franchement, je pensais que ça allait être drôle, mais en fait, ça m'a saoulé, genre de ouf. Ouais, le problème, c'est qu'elles font mal en fait. Ouais, en plus, elles font mal. En fait, si elles faisaient pas mal, peut-être que ça serait marrant. Ouais, je pourrais te trimballer partout et tout, mais là, genre, je tire, ça te fait mal, je me fais mal. Ouais, c'est horrible. Est-ce que ce serait pas l'heure d'enlever nos menottes? Je t'enlève toi d'abord parce que je suis sympa. Le plaisir. Comment on va plus calculer cette nuit? Cette semaine, tu veux dire? À jamais. On est KO là. Je mets ça là et qu'on en parle plus. Allez, ciao. On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, sachez qu'il y a la vidéo de mercredi qui va encore plus vous plaire. Mais bon, vous le saurez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Abonnez-vous et activez les notifs parce que bon, YouTube, hein, on est au courant qu'il se passe plus rien sur cette plateforme. Excusez-moi, YouTube, contactez vos YouTubeurs, dites-leur de faire des vidéos. Qu'est-ce que vous foutez tous? Vous faites des podcasts? Stop! Et n'hésitez pas à aller checker Instagram. Merci Jérémy pour cette vidéo. C'était un plaisir. C'était la dernière. On espère que ça vous a plu et on vous dit à mercredi dans une prochaine vidéo.